visité une parcelle qui est juste derrière moi, qui est des chardonnays plantés en 2000, donc des vignes qui ont 10 ans. Et la particularité, c'était planté à 30 000 pieds hectares. Donc il y a un pied tous les 30 cm et un mètre de large entre les rangs. Donc c'est une densité un peu plus élevée pour qu'il y ait une compétition entre les pieds. On a un système racinaire qui descend un peu plus en profondeur. Sans doute naturellement une compétition entre les pieds, les raisins sont plus petits, ils ont plus de goût. Donc le problème, c'est une parcelle qui est très pentue, donc on travaille à la main. Et la particularité, c'est qu'on travaille avec un treuil pour labourer. Ça permet aux racines d'aller un peu plus en profondeur. Donc c'est un moteur thermique au-dessus de la parcelle qui tire avec une corde en inox à une charrue à cheval. Et la personne au-dessus s'occupe de l'accélération et de l'arrêté du câble. La personne en bas conduit la charrue et coupe l'herbe. Et après, on repasse 2-3 jours après, couper l'herbe avec une pioche. Donc c'est un travail manuel qui est très dur, très pénible, qu'on fait 3-4 fois par an. Donc c'est des charrues, des vieilles charrues. Là, elles sont suisses, c'était utilisé dans le Valais. C'est un vieux matériel qui était utilisé il y a 40 ans. Et là, c'était Plumette à fait. Et j'ai acheté ça en le Valais parce que c'était des régions très pentues où vous n'avez pas d'autres moyens de mécaniser. Avant, cette parcelle-là était cultivée dans les années 50 au cheval. Et au cheval, on aurait pu refaire une partie au cheval, mais le gros problème, c'est que le cheval travaillait juste en descendant. Il ne pouvait pas monter en travaillant le sol. Donc il montait juste à vide et il descendait le sol, il travaillait le sol en descendant. L'inconvénient, c'est que la terre descendait à chaque fois. Et quand la personne, le vigneron, a vu son tracteur dans les années 50, il a essayé de passer en tracteur et il s'est fait très peur. Il y a trop de pente et le tracteur se cabre et descend trop vite. Donc il a arraché la parcelle, il l'a arrêté. Et moi je lui ai demandé de la replanter pour la faire à la main. Donc, c'est un peu plus de courage, il faut un peu plus de sueur et il faut travailler un peu plus, mais on le fait, on essaie de le faire à la main. Je sais que ce ne sera pas mécanisable comme parcelle. Donc c'est des sols très pauvres, très calcaires, qui donnent un type de vin, qui donnent un caractère au vin assez particulier.